Les deux sociétés, en fait, elles regroupent quatre sites de fabrication de charcuterie. Et la difficulté, c'est de pouvoir adapter la politique de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise à ces quatre sites qui ont à la fois une culture différente, un historique différent, des gens différents. Et donc, on a fait appel à Quaterner, en fait, pour pouvoir décliner la stratégie de l'entreprise sur les sites de production. Donc, sur un des sites, on a mis en place la démarche 5S, donc qui a été initiée en 2011 et qui, aujourd'hui, a amené beaucoup d'éléments positifs et notamment une réduction des accidents, et puis un certain bien-être au travail de la part des salariés parce qu'on a quand même réglé un certain nombre de leurs problèmes quotidiens. La démarche quaternaire, maintenant, pour nous, donc on est en train de la continuer, c'est maintenant de pouvoir décliner sur chacun des sites de production un plan d'amélioration de la performance. D'accord? Mais ce plan d'amélioration de la performance, le but, ce n'est pas d'avoir la même démarche vraiment identique sur tous les sites, c'est de pouvoir l'adapter en fonction des gens qui sont présents, de la culture de l'entreprise, de l'historique, des compétences qui sont présentes, de manière à ce que Quaterner ne soit pas là pour perfuser la démarche, mais soit là pour accompagner les gens, de manière à ce que la démarche soit pérenne sur les différents sites de production. Donc voilà la démarche qu'on a entamée aujourd'hui. Je dirais avant tout, la confiance, c'est une histoire de relations. Je crois qu'au départ, on fait confiance par les personnes qu'on rencontre. Ça, c'est déjà le premier lien. Si le message passe bien, si le contact se fait bien, déjà, on a envie de faire confiance. On a envie de s'engager dans une démarche parce que c'est un engagement à la fois financier, puis un engagement quand même sur le court terme, moyen terme, voire le long terme. Parce que quand on entame ce genre de démarche, on sait bien qu'on ne part pas pour 2 mois, 3 mois, mais que c'est quelque chose qui s'inscrit dans la stratégie globale de l'entreprise. Et après, derrière, eh bien, c'est les résultats qui parlent, hein. Quand on a des interlocuteurs qui sont présents, les résultats qui viennent, l'envie aussi de Quaterner de faire progresser l'entreprise et les gens qui sont présents et la société, bon, il se crée au fil du temps un partenariat et puis qu'on a envie de compléter, d'accompagner. Et donc voilà. Je dirais d'une part la proximité. Avant tout, Quaterner connaît le terrain, sait nous parler terrain. Voilà, il y a un feeling qui passe bien, on sait de quoi il parle, etc. Après, je dirais, c'est l'envie de faire progresser le client. Ça, c'est très important. On sent que Quaterner n'est pas là pour s'implanter en disant je vais faire du commerce, mais je suis là pour faire progresser l'entreprise, être à l'écoute du besoin de l'entreprise, suivre, adapter en fonction des évolutions. Voilà. Et puis, le dernier point, je dirais, c'est quand même la réactivité. Hein, parce qu'à chaque fois, mais on sent que les gens sont présents, impliqués, motivés. Enfin, voilà. Donc ça, c'est des éléments qui font qu'on crée petit à petit une relation.